Probablement Barof. Probablement Barof. Surtout qu'il y a, il y a démon qui se colère dans la game, genre. Je pense qu'avec démon, c'est déjà vachement plus intéressant de rester un peu oh, sur certains héros où t'as les paris, etc. Vu que Tiscolaire, c'est pas déconnant dans la méta. Hein. Si t'as le rembobinage. Le trinket de rembobinage, c'est quand même vraiment quelque chose. Même si tu gardes pas forcément ça tout le temps. J'ai jamais. C'est ouf, chaque fois que j'ai joué Barof, j'arrive pas à avoir un putain de. De sort à 2 pour pouvoir héros pouvoir TA, c'est dommage. Ça c'est vraiment cool avec les pièces, j'ai quand même envie de le prendre et de le freeze du coup pour après. Genre acheter ça et ça après sera utile. Ça va scale avec les pièces si on gagne nos paris, copium. Alors lui il a pris la 4-4 vu que de base il a 19 HP ce héros. Lui je crois qu'il a 18 de base, Sneed. 17 de base, je crois. Ah, je connais pas l'armure parfaite de tous les héros. Eux, ils ont 10 de base, donc ils ont pas chopé la 4-4 si jamais ils avaient pris un démon. Démon. Est-ce qu'elle a 18 de base, Onyxia? C'est possible en vrai. Hein. C'est possible qu'elle ait 18 de base, Onyxia. Elle a fait égalité contre lui, donc ouais, ils ont la 4-4 tous les deux. Jack est pas forcément. Jack, s'il y a mecha, j'aime bien. Le tenter pour voler des automates. Mais ouais. Démon 9, 12. Je pense qu'il y a 12 de base, donc il a pris le petit démon à mon avis. Je pense pas que je frise ça. Trouve un autre comme ça. Ah mais c'est GG. GG, ça contre. Ok, bah un GG du coup, Onyxia. Okay, pari facile normalement. Je risque de hop au prochain tour sauf si j'ai cavalerie peut-être, on verra. Enfin avec cavalerie j'ai prêt aussi, j'achèterai juste l'autre. Ah non il avait quand même la 4-4, 9-12, il a 13 HP lui de base. Ah merde. Je sais pas. En même temps il change souvent l'armure donc trop galère de tout mémoriser. Ouh nice. Ça avec Barof c'est quand même bien cool hein. C'est que si je prends ça et que je perds le pari, c'est terrible. À la limite, si j'ai le pari, je peux le pick. Mais bon. Ah, ce serait pas mal en vrai. Je vais déjà voir le pari, voir si le pari est bon ou pas. Et si j'ai le pari, peut-être que. Sneed. 16. Via de hop. Pas sûr là, je voulais cliquer sur l'autre en vrai, mais bon. Mon cerveau a bugué. J'aurais dû cliquer là. Tant mieux, full chat. C'est vrai que ça c'est vraiment bien avec Barof. C'est bizarre que Sneed ait perdu. Il avait pas up lui peut-être? Ah my bad, je croyais qu'il avait up. Ok. Ça avec Barof c'est quand même vraiment huge. Genre pique ça c'est quand même pas mal. Genre si je gagne le pari ça fait tellement de stats. Jamais douté, ouais. Je fais de la merde c'est tout. Regardez les thunes de côté, pour chaque tour on fera le hop. Tac 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 tac, ok. Mais il avait rush contre 3 qui a up sur ce timing. Ok, normalement c'est elle qui va gagner. Là je vais perdre, mais je vais probablement gagner mon pari. Ouais.
Ok. Ouais, j'arrivais pas à trouver l'idée en fait. J'arrivais pas à trouver l'idée, c'est pour ça que je galérais de fou. J'ai pris trop de temps, j'arrivais. Je sais pas, j'arrivais pas à l'avoir dans la liste. J'ai bugué de Zaza. What? Varden qui a rush 3, perd contre lui, 4 up sur un timing après, en ayant star 2-2. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok, Varden a peut-être fait un play chelou en mode elle a peut-être pris genre deux fois. Genre gangressant et du coup elle a zéro tempo. C'était improbable en vrai. C'était vraiment improbable qu'elle perde. C'était. What the fuck? Trop bizarre. Très très chiant ça. Après elle peut s'être fait scam aussi hein. En vrai je peux tenter le triple peut-être. Probablement. Ok. Prendre 4 d'œufs. Frère, je suis Uran. Crois-moi, je suis Uran, frère. Pareil sur le mec qui a tous ses points de vie. Hein. À mon avis, Gigi, il a up rapidement, mais bon, il se fait bien casser la gueule, donc bon. What? Ok, je viens de me faire baiser. Je sais pas si vous avez vu, mais le tracker, il me montre. Enfin, le jeu me montrait qu'il avait pas d'armure. Donc j'ai vu qu'il avait pas d'armure. Donc je me suis dit, bah il se fait laver. Mais non, non, il avait de l'armure. C'est juste le jeu qui m'a baisé. Autrement, j'aurais parié plus vite sur Onyxia. Mais le jeu m'a mis genre 30 HP. Alors que l'autre, il me mettait qu'il avait de l'armure. Oh la douille. Oh, incroyable, incroyable, incroyable. Après, ils l'ont giga nerf. Ça coûte 6. Mais bon, il y a bête pour essayer de trouver des rip-hop. C'est une 4 et turbo broken. Après ça c'est très fort aussi. Mais si vous partir sur Ran, c'est incroyable ça. Ça me coûte une plombe. Oh je me suis fait tellement douiller parce que là j'ai pas de gold du coup. Après j'ai traîné, mais quel enfer, quel jeu de con. Pourquoi ils font ça quoi? Bah ouais que j'ai perdu mon pari effectivement. Terrible. Ok. Alors ce qu'on peut faire c'est prendre une oie et mettre toutes les gemmes qu'on a sur l'oie comme ça elle invoque plein de rip-hop de 2. J'avais fait ça sur une game. C'était marrant. Bon. Sneed aussi c'est broken pour jouer ça parce que t'as full rip-hop avec tout le repoir. On bricane. Holiday. Qui est 3. On voit pas le trinket parce que c'est un jeu de con. Vas-y putain comment je fais mes paris? C'est vraiment déconné. Lui a l'écho. L'idée était en big. Le problème, c'est que ce jeu me rend fou, genre. Donne-moi l'info sur son trinket pour que je fasse mes paris. Si ça me nique deux paris comme ça, c'est une dinguerie. Timing avant, c'était l'armure qui était pas visible. Non, je vais arrêter de jouer Barof à cause de ça. Hein. Quand tu manques des infos comme ça, c'est trop chaud après. Mais c'est pas le problème de Barof, le problème c'est que le jeu est buggé, je vois pas son armure sur lui, lui je vois pas son trinket. Tu sais que Holiday était big donc je voulais parier sur elle, mais bon j'ai pas la fausse au trinket, je l'ai là maintenant quoi. Full buggé, quel jeu de con. Quel jeu de con. Faut un deuxième comme ça pour générer des gemmes, faut du jazz, sonneur et des rip-hop. Ouais, ça on peut le tenter, ouais. Sur Uran. Un peu forcé ça. Uran. Pirate. Ok, cool.
Ok, il y a mort-vivant, j'ai même pas capté. C'était tellement bien caché, les salauds. Pas fouiller ça, juste faire ça, je pense. Varden a perdu tous ses combats depuis tout à l'heure. Est-ce qu'elle va commencer à gagner quand je parie contre elle? Elle ne m'étonnerait même pas. Nice, on a eu deux gemmes, plus on a scale deux fois, non? J'espère qu'on la proc deux fois. Oh, on la proc qu'une fois, je crois. 4, 4, 6. Je crois qu'on la proc qu'une fois. Ok, on a gagné. Il faudra un autre rip-hop comme ça, ce serait vraiment clean. Il y a celui en 4 aussi qui serait bien allé choper, plus l'autre qui boost. Faut que j'up 4 là quand même, je pense. Incroyable pour le skilling de mes gemmes. Ça, on peut le tenter. Je suis quoi là? Je suis varié, ok. Vivant, Uran pirate. Uran. Qu'est-ce qui fait que je suis varié là? Naga, démon. Je comprends pas. Ah, c'est Naga, ok. Prends les 4 gemmes, je pense. Pas trop grid là. Franchement, je pense que je vais pas parier, je vais virer ça et prendre ça, voire même ça peut-être. S'il tape first, j'ai quand même les ripop en plus, c'est pour se protéger aussi ces ripop là quoi. Peut-être que je peux faire ça. Ok. Sans ce qu'il a fond ça. Ok, incroyable. Oh, on va scale de Zaza les gemmes. Là, elles sont 4-4. On va se gaver là. On a vu, on va proc 3 fois, ce qui serait insane. Déjà 2 fois là? Trois fois. Huge. Ok, on est vraiment bien là. Ah, oh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Quand vous avez de la place à invoquer de copies. Il a cru que je jouais Ripop, non, c'est trop. Ça en vrai, c'est pas ridicule. Avec lui, on fait full gemme dessus, mais bon. Genre, je joue lui. Plus genre ça et ça, et je taunte lui, oh c'est bizarre hein. Jeu d'échecs et toutes les gemmes sur un. Faut que je taunte lui comme ça, comme ça, comme ça, je pense, à tout dans le genre. Bizarre la game.
Ouais, je peux taunt lui pour avoir des taunts pour protéger les autres, c'est peut-être mieux. Après, je peux garder. Oh, hein. De plus. Bon, je peux garder ça en soi. Ok, comme ça. Intéressant. Ah, dommage. Il aurait fallu qu'il tape là ou dans l'autre. Faire des rip-hop. Peut-être un monde où même eux je les recule. Bon. Il va me casser la gueule. Très armure, 17 HP, non mais le tracker, je vous jure, il me rend fou sur les paris. Je dis chaque, ça invoque une copie de ton board. Mais tu vas laisser l'espace du coup. En vrai, je suis ok, juste il est big. Après, on a bien scale, non? On a pris quoi? Plus 3, plus 3 là? C'est fait un peu douiller sur les procs, les totés vraiment mauvais. Comme on d'avoir, ok. Je pense qu'on a pu faire plus de procs. Je pense quand même que je garde comme ça. Après ça, je peux virer et jouer avec un autre énorme. Mais autant juste essayer de faire un énorme. Faut que je hop pour trouver le celui qui double les gemmes que je joue, un truc dans le genre. Démon. Deux, quatre, six. Ouais, je peux pas prendre. J'aurais dû prendre ça en vrai, mais je vais prendre ça. My bad, c'est un peu greed. J'aurais dû prendre l'autre. My bad, c'est un peu suicidaire là. J'aurais mieux prendre plus de gemmes. Après, il se fait bien casser la gueule, donc why not? Doré. Moi je pique ça, il fera pari. Hein. Pique ça à vendre évidemment. Ouais, pour un tour 10, c'est quand même costaud ce que je fais, je trouve. Hein. Je pense que c'est quand même très très costaud. Double 157-58 avec des taunts pour scale, c'est fine, je pense. Surtout que. GG, il a perdu. Ok, waouh, il a un bon setup, alors, GG. En même temps, l'autre, il a pas de gagner. Hein. Non. Didi est pas dégueu en vrai. Juste à voir s'il a chopé Dracarry, un autre gangropter ou pas. Ok, ça c'est cool. Le truc c'est ça, ce que j'allais dire c'est que eux ils sont vachement protégés par tous les ripop que j'ai et ça c'est un giga point positif. Hein. Faire un peu de ripop là même. Quoi, tu mets au fond ton gros serviteur, bah pour éviter les Venas notamment et pouvoir être sûr qu'ils tapent bladé pour scale, mais surtout contre les Venas, etc. Tu vois. Genre, imagine le Leroy taunté, c'est pas ouf non plus de mettre devant quoi. Et au moins, il a le temps de vachement proc là-dessus pour que je scale bien de fou. 14-14. Tour 10, c'est pas mal, c'est pas mal. On a perdu le pari, Gigi devient énorme, ok, il faudra parier sur Gigi si on a encore le choix. Peut-être que il va falloir virer ça et rentrer sur Siron là quand même. Ou des trucs comme ça. Surtout contre démons, 3 démons. Je pense qu'il faut arrêter avec cette merde, rentrer ça. Ça on peut garder là toujours. Pas déconnant. En vrai de vrai, si je chope Dvorak. Oh là 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 là.
Si je chope Dvorak les amis et qu'on le double et qu'on lui file des gemmes avec tous les ripop là. Après ce sera un peu bizarre, il faut transférer les gemmes mais bon. Oh là là là. Ok. J'aimerais bien doubler le Dvorak, du coup c'est un peu bizarre niveau placement, c'est ça le truc. Parce que là j'en ai qu'un en fait. Bon peut-être que je joue avec un seul. Ah, j'aime bien en avoir deux. Je pense pas que je joue ça du coup. J'ai envie de tout mettre sur Dvorak et en avoir deux. Ouais je peux faire ça et virer ça mais ça en faire c'est quand même bizarre tu vois. Mais bon on se prend dans le play. Non, il a tout le temps de Vorak. Là, je skill mes gemmes. Le problème, c'est que je n'en génère pas. Mais j'irai chercher un Charlega ou quoi plus tard. Mais surtout, de toute façon, je skill mes gemmes qui sont joués en combat avec eux. C'est big là. Faut qu'il tape là-dedans là. Libère-moi de l'espace pour que je scale. Ouais, après, me tue pas par contre, hein. Attends, il peut pas tuer ça, hein, avec le reste là. Je pense pas. Allez, fais-moi scale là. Allez, garçon. Oh ouais. les gemmes. Putain, j'ai tellement peur du Leroy là. Tag le mort. On peut essayer de chercher un autre Dvorak. Comme ça, on a 4 Dvorak qui pop sur le board. Reborn à 4-4. J'ai globalement pas la place pour jouer avec, je pense. Là, il faut que j'aille chercher du skilling, 12ème Dvorak éventuellement. J'ai pas forcément besoin d'avoir du skilling on board, genre je skill vachement bien au combat, mais il faut un autre Dvorak à la limite. C'est quoi ce board? On joue jeu d'échecs, skilling gemme, 18-18 les gemmes, beau jeu. T'inquiète. Charlga? Petit Charlga? D'avoir le qui. Tu as transit pour un vrai board, mais tu te rends pas compte de la force là. En vrai, il me faut un autre Uran. Un autre bon Uran. Plus full ripop. Je pense juste que je dois virer ça pour rentrer un autre Uran ici, peut-être. Après, ça, il faut que tu le virer aussi, mais. Faut que je réfléchisse. Lui. Dissuite d'armure toujours, lol. Ouais, peut-être le Uran bouclier divin. Ça pourrait être un truc. Le problème, c'est que. Ouais. En vrai, je préférerais rentrer du Charlga quand même pour scale un peu ou quoi. On verra. Les trois petits cochons, j'avoue, c'est bien les trois petits cochons. Trois petits cochons, j'aime bien, ouais.
Regardez Dvorak à droite. Oh les cracks. Mais comme je dis, le truc c'est que c'était essayer de jouer des bonnages, j'ai quand même pas mal de rip-hop donc. Je peux les tanker forcément. Le problème c'est que si je rentre à Uran Bouclier Divin, il a pas de stats quoi. Alors Chargaff va lui donner en fight, mais potentiellement il peut mourir rapidement aussi. Placement un peu bizarre. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je change mes rip-hop pour des rip-hop taunt quoi. Genre peut-être que le chevalier là il est mieux que le. Ah l'autre ok, on va celui de droite. Est-ce qu'il tape pas quoi? Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ah lui il est big. Va peut-être falloir quand même rentrer du Leroy x2 contre lui ou quoi. Sorcieron, on va voir. On va prendre comme ça hein. Les gemmes c'est vature, on va prendre 4 gemmes là-dessus. Peut-être le mettre sur autre chose, on va voir. Il y a un monde où je joue juste avec ça, honnêtement. Parce que contre lui, à mon avis, il faut juste. Les big boys. Oh, il y a les cochons. Cochon first. En vrai, virer ça pour cochon, c'est big. Après, je peux les mettre plus loin, mais. Je pense que ça prend tout. Tu n'es pas boardlock. C'est vrai. Ça marche que sur Uran, oui, mais je vais en avoir 4. C'est si bien que ça, peut-être pas. Hein. Bah, c'est peut-être quand même un peu mieux que Morose, non? Ah oui, c'est sûr que c'est mieux. Hein. Vatea, Vatea, non, c'est forcément mieux que Morose. La 4-4, elle bouge pas. Ça scale mes gemmes, ça scale voir que c'est bien. C'est lui qui va bouger. J'aime bien taunter ça. Il y avait un autre Vorak, my bad. Peut-être du le pick. J'aurais dû. Pourquoi je fais ça? L'autre cochon. Non. J'aurais dû pick l'autre Vorak. Après, il aurait été petit, donc bon. Mais bon, ça valait quand même le coup, je pense. Voilà, il y avait un autre Vorak. Et puis j'aurais quand même dû le pick. Juste là, dans l'idée, je pense qu'à la fin. Ça, c'est vraiment bien quand même avec les Vorak, je vous jure. 150, 150! Ah. Non, j'ai pas de place! Ah, je crois qu'il va prendre. Mais il meurt pas là, il va prendre 18 du coup. Le problème c'est que si je rentre un autre Vorak, il faut que je bouge des rip-hop. Si je bouge des rip-hop, les Vorak ils scale pas. Du coup les squelettes il faut que je les laisse pour scale avec ça en combat plus scale ça. Parce qu'en combat eux ils gagnent des stats avec les serviteurs qui meurent. Je joue 2 gemmes de sang sur chacun de vos Uran, vengeance 2. J'ai oublié mon pari, oh quel enfer. On a l'autre qui file des gemmes, incroyable. Ouais ça je veux taunt les gars, ça je veux taunt. Ça va être taunt, ah bah parfait j'ai le taunter. Je pense que je touche à rien, en vrai ça me va. Hein. Peut-être ça je peux le virer. Mais je sais pas encore ce que je mets à la place. Peut-être je peux virer ça et rentrer un autre Vorak et juste jouer avec 3 de Vorak. Juste il n'y en aura pas 4. Peut-être un truc autrement. Mais bon. Autrement on travaille fort avec les cochons, c'est big aussi. Ça sert à rien, j'aurais pas la place pour ça. Il y a Leroy, mais c'est pas marrant. Hein. Oh, c'est pas très marrant, Leroy. Comment je fais pour attirer tous ces serviteurs? Non, pas marrant. Est-ce qu'il rentre ou pas? Je sais pas s'il fait le cut.
En vrai, avec les cochons, je pense que si, hein. Je pense que lui, il bouge. J'ai quand même envie de garder à 4-4, par contre. Je jouerai 3 de Vorak. Fais ça. 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 Comme ça, on copie 1, 2, 3. Je veux quand même copier ça pour vraiment proc de Zaz. Ou alors, je virais ça et je gardais l'autre à droite. Mais bon, c'est marrant comme ça. Il s'est barré, Gigi. Saxis au fond, le problème c'est de mettre Saxis au fond, eux ils ont pas la place pour leur rip-up, ça m'ennuie. J'ai envie qu'eux ils meurent rapidement pour qu'eux aient un maximum de place pour bien booster les autres et bien scale ça aussi. Du coup si je mets le cochon, en fait je peux pas mettre ça devant, je perds trop si je mets ça devant. En scaling et en... il est 280. 430. Ah c'est incroyable. Est-ce que Yama Coq a été retiré du pool? Ouais, ouais, Dubix. Il a été retiré. Elles sont combien? C'est Jam à lui? C'est vrai que j'ai pas regardé. Lui c'est 25-25, c'est possible? 25-25. Mais bon. Ah, le premier trinket, il est turbo broken. Hein. Il coûtait 4, là il coûte 6. Il fait mic qu'il est à 4, mais il était à 6. C'est comme lui, il fait. Il, ça a indiqué que c'est à 5, mais il était à 7 quand je l'ai acheté. Ils ont été nerfs. Vat 6, Vat 6, mais j'aime. Ah non, c'était moi, Vat 6, Vat 6. C'était 19, 19, lui, peut-être. Je sais pas. Le spell triple, le sort à 2. Le sort à 2, j'ai pas compris ce que j'ai foutu. Chance de triple. J'ai pas compris, je sais pas de quoi vous parlez. Le sort à 2, c'est un peu vague. Peut-être pas un truc, mais. Ouh, huge. Oh. Je mets tout sur 1, non? Vu que j'aurais pas l'autre. Que l'autre est pas copié de toute façon hein. Pourquoi pas mettre le cochon à droite pour copier Dvorak? Parce que si je fais ça, eux ont pas la place pour invoquer leur ripop. Ouh, le vilain fourbe. Si je mets ça, eux ils ont pas la place. Et si eux ils ont pas la place pour ripop, bah ils font pas full proc l'autre plus le scaling. Après, je pourrais envisager de commencer à la virer. Mais en combat, c'est quand même très fort que Dvorak. Hein. Genre. Après, ce qu'on pourrait faire là éventuellement, c'est. Ouais, je sais même pas. On pourrait. Genre, peut-être jouer Vyford aussi. Ouh, le vilain Leroy. Bon, la question c'est est-ce qu'il va me sortir. Non, il peut pas me contrer là. Ok, il va falloir que j'arrive à faire d'autres gros serviteurs pour me cover là. Il fait ses taunteurs de merde là. Il fait beaucoup de jams ça. Peut-être falloir que je vire ça. Oh le hara qui proc le cochon. Est-ce
que c'est si bien? 3. Même pas sûr que c'est mieux. Faut des gros serviteurs contre ça, en fait, je pense. Leroy, en vrai, comme quelqu'un disait, ça peut être pas mal pour se contrer. Pour qu'il se fasse taunter. Et virer ça, peut-être. Ara Rebound serait fort, mais bon. Encore que les autres sont tauntés, donc bon. Je suis pas sûr que ce soit si bien, en vrai. Ça c'est cool. Ouais, il a dynamiteur, mais il a mis le ouais, mais du coup c'est de la merde en tous les cas, ouais. Je suis d'accord, c'est de la merde. Après, il y a des chances qu'il y ait un dynamiteur, ouais. Mais le truc c'est que moi je veux Leroy, c'est pas ouf. Vaut mieux que je garde des ripop, je pense. Mais. Atrocité, c'est peut-être le play. Ça se fait taunter. Atrocité, c'est pas mal, je pense. Atrocité, c'est également. C'est également Uran, donc il va être boosté par ça et il a des rip-hop. Du coup, ça me sort bien. Il va plus se faire taunter en plus. Dommage. Mais je pense que c'est le play, ouais. Non, mais ça, c'est le play. Atrocité, c'était le play. Ça ramène des rip-hop, donc contre les saloperies, c'est bien. Avec les Dvorak, c'est bien. Genre, Atrocité, c'est le bon play. C'est parfait dans ma compo. Regarde, il est 500-500. Il y a encore Leroy, mais Atrocité, c'était la carte, clairement. Ouais, lui donner rebound serait parfait, ouais. Yep. J'ai pas pensé de suite, mais quand je l'ai vu, j'ai tilté. 30-30, les gemmes. Très marrant. Très très marrant cette game. J'ai bien aimé. Tracker est bourré. On voit plus. Ah voilà, je disais, on voyait plus les trucs là. On voyait plus une partie du recap. Titre échec et mat de cochon. On peut faire mieux. Olaj qui râlait sur les gros trinkets au début. Ah, par rapport à échec et mat. Enfin, échec de Karazhan. Ouais, c'était marrant, hein. Après, le petit, c'est vraiment fort. C'est un peu lent à démarrer, mais dès que ça se met en place, c'est vraiment big.